Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Lego Dimension Aventure Secondaire. Cette fois, nous embarquerons pour Scooby-Doo. Donc, il n'y a malheureusement que ces deux personnages, hein, Sammy et Scooby, n'ont pas fait toute la bande, ce qui est vraiment dommage. Et c'est parti, du coup, pour la dimension Scooby. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'aventure. Apparemment, c'est encore un monde ouvert de Scooby-Doo à la recherche de briques jaunes, hein, tout simplement. C'est vraiment, vraiment dommage qu'il n'y ait pas d'aventure pour tous. Il va vraiment falloir que la prochaine fois, je trouve un qui est une aventure, même si... Du coup, là, à part les Teen Titans Go, je crois que j'ai dû quasiment tout faire. Hein. J'ai fait Seigneur des Anneaux, je fais Harry Potter. J'ai pas tous les personnages de... Comment ça s'appelle, la grande aventure Lego. Ok, donc nous avons déjà plus bas. Là, une brique jaune, quelqu'un qui veut quelque chose un peu plus haut, donc c'est parti. J'adore comment il faut. Ok, donc nous sommes dans un parc hanté. Donc quoi de mieux pour ficher la trouille à Sammy et Scooby qu'un parc hanté. Nous allons trouver la personne. Peut-être que si on restaure ce qu'il y avait ici avant, l'île sera un chouïa moelleux. C'est qui? Ah mais c'est le fantôme qui veut qu'on restaure le château. Et ben restaurons le chapiteau, je dis. Bon, voilà, c'est ça, le chapiteau. Voilà. Donc après cet épisode, il faudra que... Non, non, c'est pas pour moi. C'est sûr. Moi, je vois qu'il y a une brique jaune à l'intérieur. Mais comment on entre maintenant qu'il y a le chapiteau, hein? C'est bien tout ça. Mais comment on rentre? Mais moi je vais tout. Voilà. Moi je suis comme ça, moi. Moi je casse tout. Ok. Et je ne peux pas entrer. Bon, la brique jaune, ce sera pour plus tard. Hein. Je ne vais pas non plus. Voilà. Approchez, approchez. Des jeux et du rire pour tout le monde. Ouais, ouais, c'est ça, je crois. Bon, du coup, nous avons... Alors c'est chiant les persos comme ça, qui n'ont absolument pas de pouvoir, c'est qu'on peut pas... Voilà. La brique jaune, je crois, doit être par là. Allez, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Donc bien sûr, il va falloir encore un perso que je n'ai pas. Démon, machin, truc, mais c'est quoi ça? Ah, c'est ça! C'est elle, c'est son oiseau. Oh, et le téléphone intelligent, j'ai pas compris comment il faisait. Bon, et bien comme dans l'autre, il va nous falloir plein de véhicules et de persos principales, secondaires, etc. pour pouvoir couper tous les obstacles, pour pouvoir franchir tous les obstacles qui nous gênent. Donc voilà, je me suis levée juste pour aller chercher l'oiseau moteur, l'oiseau en question qui est le véhicule du coup de la fille dans Les Animaux Fantastiques. Okay. Et du coup, comment je fais techniquement? X. P. Ok. Et je fais comment là du coup? Et là, comment je fais? Ouais, mais lui, par exemple. Reviens là. Oui, lui. Comment il fait? Non, on sait pas. Ok. Ok, je suis là. Je fais quoi? Il peut voler. Et il peut faire quoi? À part voler. Il peut absolument rien faire. Ah. X.
Ça ne fait rien. Ok. Donc c'est celle qu'il lui faut. Waouh. Il ne peut vraiment même pas monter, mais rien du tout. Et ouais, il faut que j'aille chercher sa propriétaire. Bon, je me relève encore une fois. Parce que là, je ne vois pas ce qu'il peut faire. Hein. Il n'y a rien du tout. De rien du tout, du tout. Donc peut-être qu'il lui faut sa propriétaire sur le dos. Peut-être que c'est un véhicule. Allez. Samy. Allez. Voilà. C'est pas un véhicule, c'est quoi là? C'est pas un véhicule. Ah oui, il faut l'utiliser, le couper les lianes. Mais comment? Comment il coupe les lianes exactement? Est-ce qu'il peut voler? Un peu plus haut. Mais c'est pareil. X ne fait rien. B, ça fait tout ça. Voilà. Pour les autres. Bah, finalement, je pense que non. C'est bien des persos qui nous trouvent qu'on n'a pas. Donc, on va les tomber. Là, plus bas, apparemment, on a quelqu'un qui veut quelque chose. Peut-être que si on restaure ce qu'il y avait ici avant, l'île sera un chouïa moelleux. Ouais, ça va. Je sais pas si c'est vrai. Attends. Un jukebox pour être moins lugubre. Ok, est-ce que arrêtez comme de la magie, les supermanas, les supermanas. Et du coup, ce qu'on veut, c'est où? Du coup, là, on a même tout. Donc, on aurait Dr. Who, Scooby-Doo, voilà. Enfin, moi en tout cas j'entends rien du tout. Allez, c'est parti, nous allons nous promener un peu. Donc maintenant nous sommes hors de la foire, nous allons nous promener un peu partout pour voir ce qu'on peut faire dans ce monde hanté de fantômes. Les petites quêtes qu'on peut faire, les habitants qu'on peut aider à reconstruire des choses, les briques jaunes qu'on peut attraper. Du coup, c'est parti. Il y a quoi ici? Un gros énorme. Ok. Bah non, ça ne fait pas grand chose. La brute jaune, elle est à l'intérieur. C'est celle du chapiteau qu'on n'a pas réussi à avoir. Donc je peux traverser la rivière, heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas grand chose à faire. Allez, c'est pour qui cette alors, fois? Vous avez besoin d'aide, hein? Heureusement que je suis là. Dans le château hanté. Vous découvrez les mini-kits d'un bouleversement du château hanté pour... Ah, ok, donc il faut autre chose. Lui, on va pas lui courir après, vu que de toute façon, ça ne sert à rien. On va quand même dans cette direction, parce que de toute manière, la suite de l'aventure sera forcément par là. Vu qu'en plus, il mes lunettes trouver... Je vois rien du tout sans mes lunettes. Salut, Vera. Alors, j'ai fait tomber mes lunettes. Je vois rien du tout sans mes lunettes. Heureusement que j'avais une paire de rechange sur moi. Et quand on perd tout le temps ses lunettes... On finit par prendre ses dispositions. Vous allez rire, mais je suis venue ici pour retrouver toutes les autres lunettes que j'ai fait tomber au fil des ans. Avec toutes ces paires de rechange, je serai plus jamais dépourvue. Dites, si vous avez un peu de temps libre, vous pourriez m'aider à chercher. Ok, donc nous allons aider Vera à retrouver toutes ses paires de lunettes. Peut-être songer à me mettre aux lentilles ou faire une opération laser. Mais ces lunettes sont tellement partout de moi. Je peux pas m'imaginer sans elles. Donc, maintenant, notre objectif pour retrouver les lunettes de Vera
est de suivre les points bleus. Donc quand on verra des points bleus, hein. Bonjour. Non, bon. Voilà, donc lui, on s'en fiche, je sais même pas comment on peut l'attraper. Donc les lunettes de Vera, je sais même pas où je vais par ici, je sais même pas si en vrai il y a des lunettes de Vera par là. Donc ça c'est bien, c'est pas mal d'avoir fait le petit truc de ah Vera, bah, j'ai perdu mes lunettes. Bon, bah voilà. Au moins c'est un peu réaliste quand même. Donc du coup les points bleus, il y a tellement de flèches partout ici que c'est impossible de savoir qu'est-ce qu'il y a en haut ou pas. Je sais que je vois une flèche là. Plus bas, me dit-il. Mais ici, plus bas, après, c'est plus ici. Hein. C'est peut-être là-dessus. Je sais pas. C'était peut-être de l'autre côté. C'est tellement dur de se déplacer comme ça. Je sais qu'il nous faut la Mystery Machine. Hop là, c'est parti. Là, c'est on va aller plus vite comme ça. Vous allez voir. Elle est quoi? Rien. Oh. Eh ben, ok. Par ici. C'était peut-être par là qu'il fallait aller. Allez, c'est parti, mon petit. On va continuer du coup. Il faut aller plus bas, son machin. Je trouve pas plus bas ce qu'il y a à ce à cet endroit là. Maintenant nous allons. Alors les points rouges, je ne sais pas tout ce que c'est. Par exemple là il y a un point rouge juste devant moi là, à côté. Je sais pas. Ouh, des lunettes. Et là, voilà. Là-haut. Comment on fait pour attraper les lunettes qui sont tout là-haut? Peut-être Scooby. Je crois savoir. Scooby. Ton véhicule. Non, il est là. Non. Rouge ici et les points bleus, les lunettes de Vera. Tout c'est bon. Ok, donc ici, oh, là il y en a un juste là. Tiens. Ah bah oui. Je vais pas réussir à les avoir hein, si je peux pas monter là. Ils peuvent pas voler. Ben, il faut que je prenne un perso qui vole. Voilà. J'aurais dû garder les super nanas à disposition. Je vais essayer Gandalf aussi.
Je suis de retour pour soutenir la cause. Non, il ne peut pas voler. Bon, bah, je vais encore une fois. Oui, ah, mais non, c'est une sorcière là. Elle vient me lever pour prendre une sorcière, mais non. On a besoin de moi? Je remplissais des permis de baguette, mais c'est bon. T'es pas une sorcière, toi? Tu sais pas voler sur un balai? Je dois y aller. Abernathy est tout dans le coin à ma recherche. Ah, c'est chiant ce jeu. Il faut se lever sans arrêt pour aller chercher des gens. Bon, encore petit lag de mon El Gato, donc je suis allée chercher un perso qui s'est volé, parce que j'en ai marre d'essayer de sauter plus haut qu'il ne faut à chaque fois. Donc voilà, bon, bah, on va tricher, hein, c'est dommage. Encore une aventure Scooby-Doo. On ne peut pas avoir Scooby-Doo. Il marche à deux à l'heure, voilà. Je suis désolée pour vos oreilles. Essayer de voilà, donc on va garder Harry sous le coude. On va prendre quand même la mystery machine parce que ça va quand même plus vite pour se déplacer. Donc il faut suivre les points rouges cette fois pour récupérer les lunettes de Vera. Donc dans toute notre aventure, les quêtes c'est les points bleus, comme par hasard ici c'est les points rouges, histoire de bien s'embêter, de tout te chambouler ton habitude pour que tu ne t'y retrouves absolument pas. Voilà, donc là je descends la montagne, voilà, hop, il y a des points rouges encore plus bas, donc encore plus bas qu'ici. Je sais pas où que j'aille, hein, parce que oh là là là, il y a des points rouges partout. Regardez-moi ça, elle a littéralement laissé les lunettes partout. Mais partout. Il y en a tous les 5 mètres. Oh, oh, yeah. Oh là là. Ensuite, en bas. Hop. Il y a. Ouf. Bien sûr, ce perso est con. Hein, il ne peut pas sauter. Voilà, donc des lunettes. Des lunettes, il y en a au stand là. Je croyais avoir tout vu. Et puis une femme à barbe et un chien ont voulu me vendre une assurance auto. Ça me dit qu'il y en a un par là. Là. Ah non, c'est perso. Il est revenu. Ouais, ça doit être le véhicule qui me suit, le point rouge. Oui, c'est nous. Ok. Donc, nous sommes aussi des points rouges, donc ceux qui n'avancent pas vraiment. Pour retrouver les lunettes. Non, non, ah, c'est pas pour moi. Voilà. Il y en a là-haut, à mon avis. Mais je crois qu'il faut faire tout le tour par là. Et hop. Allez, c'est parti. J'en ai vu en l'air. Donc, à mon avis, il va y en avoir en haut, c'est grand 8. Allez, allez, j'essaie de pas tomber, j'essaie d'aller vite. On fait tout le grand 8 à pied. Ok, est-ce qu'il y a d'autres lunettes de Vera par là? Non. Mais il y en a par là, je crois. Allez. Et il y en avait un là. Mais je vois pas ce que c'est là. Ah non. C'est encore une fois. Mais pas que. Donc là, je peux toujours pas y entrer. Je sais toujours pas comment on fait. Donc là, il y a des lunettes. Là, il y en a encore 30. Alors 30, c'est vraiment énorme. Il y en a encore là. Voilà. Waouh, il y en a vraiment partout. Bon, du coup, j'ai perdu ma voiture. C'est quoi ces instructions de construction? J'ai déjà construit. Allez. Ah, voilà. Oui, allons nous promener un peu avec le véhicule, histoire de trouver d'autres paires de lunettes. Ah,
Non. C'est bizarre parce que ça me dit qu'il y a quelque chose, mais j'ai rien. Bon, même le truc n'a pas de façon. Là, on va essayer d'éviter de. Voilà. J'ai même pas vu qu'il y avait un pont. La première fois tout à l'heure. Ok. Donc là, on en a plein de lunettes apparemment qui sont plus haut. Je vais nous attendre la voiture. Alors, on sèche? C'est pas grave. Qui peut faire ça? Non, déjà, on n'est pas de manière. Allez, je viens juste de me rappeler que j'avais un rendez-vous. Ok. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je le fais. Voilà. Vous êtes un animal légendaire ? Un animal légendaire ? Où ça ? Il nous faut Harry Potter, bien entendu. Ok, parce qu'il reste aussi le rayon lumineux. Voilà. Dans le cadenas. Ah bah encore, parce que c'est pas toujours pas. Cassé en plein. Allez. Non, là c'est cassé un peu. Allez, donc là c'est plus. Non. Bah là je peux. Donc on y va. En attendant que Samy revienne, je vais prendre Harry qui va parcourir un peu. Bon là il n'y a plus rien de toute manière. Là il y avait la grotte. Il nous faut trouver du coup si on peut arriver à ressauter sur le pont. J'ai pas envie de reprendre Et je peux savoir où est le véhicule là. Ah. Allez, hop. Non. C'est terminé. Là, elle est passée. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Bon. On va essayer de repasser par là pour attraper le petit. Non. Je vais y aller doucement, parce que j'ai pas encore envie de tomber dans le vide. Donc je vais monter jusqu'au machin là-bas, c'est le cimetière. Mais de toute manière, à part le cimetière, etc., je vois pas d'autres endroits pour chercher après. Là, ici, mais en bas. Il y a quoi ici, mais en bas? C'est le monde sous-marin où était Scooby tout à l'heure. Ah, là, il y a quelque chose en tout cas. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Là, j'allais dire, mais il arrête pas de me dire oui, là il y a des lunettes mais plus bas, mais j'allais dire mais il y a quoi plus bas? Oui, donc elle a même laissé Vera ses lunettes dans l'eau. Voilà. Elle a laissé ses lunettes dans l'eau, ça c'est assez marrant d'ailleurs. Là mais plus haut, plus haut. Ici le plus haut. Donc, non, je vais retourner en bas, ce que je vais vraiment faire ici le plus bas.
Donc il y en a une par là. Du coup, je vais continuer à explorer un petit peu. Je sais pas si je vais passer toute la quête à chercher ici, derrière moi. Il y a quelqu'un qui veut que je... Ah, mais non, c'est au-dessus, sur la terre ferme. Il y a quelqu'un qui veut que je l'aide. Alors, je comprends pas, il y a un monde sous-marin, mais quand je tombe avec le véhicule, je meurs. C'est absolument illogique. Ah, là, il y en a encore. Ouais, il faut chercher partout dans ce monde sous-marin. Il n'y en a pas très loin des lunettes. En tout cas, elles sont... Là, elle est un peu plus bas. Ah, là. Allez, Scooby, vas-y. Yes. Allez, on continue, on nage, on cherche dans les profondeurs sous-marines les lunettes. Donc il y en a une là, mais plus haut. Ça veut dire plus haut. Plus haut là. Et ça veut dire plus haut là. Ça veut dire au-dessus sur le continent, donc on va continuer. Je vais nager à peu près à cette profondeur, comme ça tous ceux qui me disent c'est plus bas, c'est que c'est... Ah, ici. Yes, je vois. Voilà. Quand il n'y en aura plus dans les profondeurs, eh ben, je remonterai, parce que là, il n'y a pas grand-chose, hein, à part voilà, les objets qu'on cherche, etc. Il n'y a pas grand-chose. C'est tout triste. Voilà. Bon, mais je crois que j'ai quasiment fait tour. Il y en a un là, mais plus haut, donc c'est sur la terre ferme. Les ruines submergées. Ah, par contre, je savais pas. Oui, que j'ai fait le tour de toute façon, parce que là, c'est la grotte. Bon, allez, hop, je vais remonter du coup. Là, voilà. Donc là, il y a la terre. Ferme, mais pour remonter, je trouve un endroit plat. Donc il m'en reste à peu près une dizaine à trouver. Ouf. Bonjour. Vous allez bien? Bon, allez. Il nous reste des lunettes à trouver. Je pourrais me laisser tourner la caméra, merci. Malheureusement, comment je m'en vais? Je crois que je suis sur un endroit où je ne peux pas m'en aller. Je suis obligée de retourner dans l'eau. Nageons jusqu'à la prochaine plateforme pour remonter. Il y en a une à peu près là, mais l'eau. Est-ce que je peux, voilà, utiliser Harry, parce que là ça va être trois fois trop long avec les autres. Ils me rejoindront plus tard. Allez. Je sais que c'est un peu de la triche, hein, de remonter hop. Là, ouais. Une paire ici. Salut. Qu'est-ce que vous faites là? Il y en a une autre paire plus loin, là. Je la vois ici.
Vraiment perdu, mais dans tout. J'en vois encore une plus loin. Waouh. C'est des endroits où c'est impossible d'arriver ici. Impossible d'arriver ici avec Scooby et compagnie. Impossible. On peut pas arriver là avec Scooby et tout. C'est obligé d'avoir des trucs comme ça. De tricher avec Harry, etc. Ok, donc encore plus haut. Waouh. Encore plus haut. C'est quoi ici? Ah oui. Okay. Donc ici. C'est la maison hantée. Ah. C'est là la maison hantée. Du coup. Et là, j'imagine qu'il y en a beaucoup de lunettes de Vera ici. Donc, je crois que c'est la maison hantée qu'on fait oui, dans l'aventure Lego, l'aventure principale. Non, ne descends pas tout de suite. Là. Voilà. Il n'y en a pas ici. C'est là derrière. Voiture, tu m'en veux. Voilà. Il y en a une là près du feu. Et après, je crois que c'est tout ici. Ouais, il n'y en a plus. Il y a quelqu'un, par contre, juste là à côté. Qui veut quelque chose. Peut-être vous réparer ça en... Restaurer la maison hantée, pourquoi pas. Après, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses à restaurer dans cette maison hantée. Bon, ben, finalement, si, il y avait quelques petites choses à restaurer. Bon. Allez. On continue, on va essayer de trouver les quatre lunettes qui nous manquent. Donc là, il est plus bas. Plus bas, par là, mais plus bas. Peut-être par là. Par là, mais plus bas. Peut-être faire le tour du rocher. Je ne sais pas. Peut-être dans la grotte. J'espère pas que c'est dans la grotte. Parce que sinon, je suis dans la grotte. Il me dit ici mais plus bas. Donc en gros d'après lui ce serait là mais plus bas. Donc oui, je pense que c'est dans la grotte en dessous. Donc pour descendre. Et encore descendre. Comment tu peux descendre? Comment tu descends? Je descends où déjà? Voir s'il y a possibilité un passage dans la grotte ou quelque chose derrière. Hein. Peut-être parce qu'il me dit là, mais plus bas. Ah, j'en ai vu. Donc, Chantal. Il me semble en avoir vu comme une. Non, c'était peut-être la voiture qui a spawné. Non, c'est la jambe. Ouais, les points, ils sont vraiment là-bas. Ah, c'est peut-être par là. Parce qu'il me dit là, mais plus bas, mais plus bas. Donc, plus bas, il y a là, mais non, c'est pas là. Ah oui, bah, je peux remonter en volant, finalement, d'ici. Le point rouge, les points rouges, j'en vois là, des points rouges. Non, voilà, là, j'en vois des points rouges par là. Et après, est-ce que je suis à la bonne hauteur? Ben non, parce que là, il me dit plus bas. Oui, mais plus bas, ici, c'est où pour toi? Est-ce que je veux bien rester là, tout en étant plus bas? Mais comment tu veux que j'aille plus bas, ici? Plus bas par là, peut-être? Encore plus bas? Plus bas. Ah oui. Je le disais aussi. C'est impossible que ce soit plus bas sans que ce soit ailleurs. Mais du coup, c'est en bas. C'est vraiment en bas, en bas. Du coup, il y en a une fière. Ici. Et il nous en manquera qu'une
seul normalement. Ce que je vois là sur la carte. Donc hop, on va remonter. Donc elles sont bien cachées vraiment même en dessous hein, des endroits où il est impossible d'aller avec Scooby, etc. Donc la dernière paire, je vois le point rouge sur la carte qui est en haut, donc qui est à peu près par là. Mon avis. Là j'y suis normalement quasi. Normalement il y a une paire ici. Ah, elle a apparu là. Et voilà. Donc maintenant il faut que je retrouve la grotte, le petit endroit où il y avait Vera pour me rendre ses lunettes. Je suis le petit pointeur pour essayer de retrouver juste le petit rocher extérieur où elle était. Salut. Vous avez trouvé quelques fiches. Oh, j'arrive pas à croire. Oui, j'ai retrouvé tes lunettes. J'ai de quoi porter des lunettes différentes tous les jours de l'année. Oui, 30. Tu espères, Vera, pouvoir tous les jours de l'année. Tu t'en as retrouvé 30, il t'en faut combien? Bon, du coup, on va essayer de réparer un petit peu la vie. Donc là, hop, je monte, je vois que... Il est possible de réparer quelque chose vers cet étage. Oups. C'est ici. Ah, oui. Peut-être que si on restaure ce qu'il y avait ici avant, l'île sera un chouïa moelleux. On restaure ce qu'il y avait ici avant. Et il y avait quoi ici avant? C'était un phare. Ok. Ça marche. Donc là aussi, on peut reconstruire quelque chose. Mais plus bas, plus bas. Donc on va descendre. Alors, c'est pas quelque chose pour construire. Bon, dommage. Bon, dommage du coup que dans cette aventure... Scooby-Doo, on ne voit pas un peu plus Scooby-Doo du coup, vu que quasiment impossible de faire tout ça avec juste Sammy et Scooby. C'est impossible, impossible de tout faire. Il faut du coup pour les mondes ouverts un peu tous les personnages, ce qui est vraiment dommage. Oui, donc du coup ici... La pièce jaune est là-dedans, donc je ne peux pas avoir parce que je ne sais pas si c'est bien. Donc on n'aura pas cette pièce jaune-là, celle-là à côté, c'est le chapiteau. Donc je ne sais pas non plus comment on y rentre. Ok, donc pour la note. Donc, par moment, la quête me dit ouais, c'est plus haut le truc. Ouais. Et dès que je monte un peu, non, c'est plus bas. Ça va. Là. Il y a l'air d'avoir une brique jaune, mais il me dit c'est plus haut. Chercher ? Ouais, là, ça va être là. Ici, il y a quoi ici ? Encore un truc à ouvrir. Il faut que je trouve le vert, le jaune et le rouge. Trop génial. Ici, il y a quelque chose à reconstruire. Là. Vous savez, toujours les fantômes à reconstruire quelque chose. Allez, allez, allez. J'arrive toujours pas à faire la lumière. Vas-y, reconstruire.
si tu veux. Oui. Donc, le lieu de vacances, nous avons le sinistre du monde. Le mausolée, encore. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Et j'ai horreur de l'admettre, mais je crois qu'il n'y a plus qu'une seule piste envisageable. De vrais fantômes, en chair et en os. Enfin, pas en chair et en os, mais vous m'avez comprise. Aucune trace d'un masque ou d'un projecteur pour prouver le contraire. Non, quelque chose me dit qu'on a affaire à de véritables entités paranormales. Par conséquent, on a besoin de gens correctement équipés pour ce genre de situation. Comme par exemple, qu'est-ce que c'est ? Et oui, il nous faut Ghostbusters. Ah, mais j'ai laissé Ghostbusters. Je vais me lever tout doucement en essayant de ne rien lâcher. De ne rien toucher cette fois, de ne pas faire bugger mon rêve. Scooby-Dooby-Doo. C'est pas grave, vous êtes humain. Oh, piger un truc pareil, c'est délirant. Alors, on sèche? C'est pas grave, vous êtes humain après tout. Ou alors, un genre de mammifère? J'hésite. Regardez-moi ça! Si tout ce bazar est l'œuvre de Valérie Marionnette, force est de constater qu'il a fait un travail remarquable. Salut! J'ai déniché des informations qui pourraient vous... utile. Pas de problème, vous me remercierez plus tard. Je vous ai causé assez d'ennuis. Mais j'en avais encore jamais vu. En tout cas, c'est exactement ce qu'il nous faut en ce moment. Il y a un truc bizarre dans un autre quartier qui nécessite mon attention. Je suis là.
Qu'il a fait un travail remarquable. Je croyais avoir tout vu. Et puis une femme à barbe et un chien ont voulu me vendre une assurance auto. J'ai déjà parlé de vrais pièges à fantômes, mais j'en avais encore jamais vu. En tout cas, c'est exactement ce qu'il nous faut en ce moment. Ces jeux-là sont complètement truqués. Dadadou, je t'en prie, on devrait demander aux gens du coin. Vous tombez à pic, vous êtes du coin. On vient passer des vacances avec les amis de mon fils. On cherche notre hôtel, mais ça fait plusieurs heures qu'on tourne en rond. Mais cette île est remplie de monstres. Et de fantômes. Vous pouvez montrer le chemin à Mumsy et Dadadou. Scooby-Dooby-Doo. C'était par là.
aussi. Dès le départ. Presque arrivé, Dadadou. Oh, j'espère, Mme Zidou. J'en ai plein les pattes. Pourquoi ils mettent si longtemps? J'espère qu'ils n'ont pas eu d'ennui. On y est arrivé. Enfin, Daphné. Mme Zidou, Dadadou, vous êtes là. J'avais peur de vous voir rebrousser chemin avec toutes ces rumeurs de fantômes sur l'île. Des fantômes? Oh, ici? Oh, misère. Je croyais avoir tout vu. Et puis une femme à barbe et un chien ont voulu me vendre une assurance auto. Terra, Fred, où êtes-vous? Dadadou, Mme Zidou? Thank you.
Ces jeux-là sont complètement truqués. Ce lien entre moi et Voldemort. Et s'il existait, parce que je deviens exactement comme lui. Ces jeux-là sont complètement truqués.